dans l'AJ Avant-Match, votre émission d'avant-match, pour avoir toutes les clés pour suivre au mieux cette rencontre. Nous sommes dans le sprint final, l'AJ Auxerre bien ancré dans le top 5 et qui reçoit ce soir Valenciennes, 15e de Ligue 2. Coup d'envoi de la rencontre à 19h. Une rencontre que vous allez certainement pouvoir aborder avec pas mal d'infos, à commencer par celle que va peut-être nous distiller, telle des passes décisives, le coach de l'AJ, Jean-Marc Furlant. Bonsoir coach. Bonsoir, bonsoir à vous. Bon, je sais que vous étiez plus dans la défense, mais je vous vois bien milieu de terrain pour ce soir, pour nous donner pas mal d'infos, je l'espère. On reçoit Valenciennes, 15e, qui lutte pour son maintien. Je vous pose souvent la question, mais ça risque d'être âpre et assez difficile, les équipes comme ça. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est vrai que Valenciennes est 14e, 15e, mais ils sont 6e à l'extérieur. Et c'est une équipe qui est forte à l'extérieur. Donc, ça laisse le coach un peu inquiet. Parce que surtout qu'on a eu des problèmes de... Les gars ont été malades, suspendus. Donc, l'effectif est un peu amoindri. Donc, bon, mais j'espère qu'on va faire un grand match et qu'on va se régaler, quoi, voilà. Surtout qu'en face, ce sera assez costaud en défense. C'est une formation sur 5 défenseurs. Vous avez insisté sur des choses en particulier pour préparer ce match, d'un point de vue physique, tactique ou dans l'état d'esprit ? Non, c'est surtout dans l'état d'esprit. Parce que maintenant qu'on a fait une très belle saison, j'ai dit aux joueurs comment on s'éclate, comment on s'amuse et comment on prend match après match pour montrer la vie de notre vestiaire. Pour montrer notre solidarité, notre dynamisme, comme on l'a fait à Bastia en fin de match où on a beaucoup dominé. Et donc, comment on est capable d'afficher tout le travail effectué pendant la saison sur ces derniers matchs sans il ne faut pas que les joueurs, parce que les joueurs, le problème, souvent, ils ont tellement envie d'aller en Ligue 1 qu'ils peuvent se tétaniser. Et moi, je leur dis non, ne soyez pas tétanisés, soyez libérés, éclatez-vous, amusez-vous et soyez audacieux. Voilà. Toujours avoir du jeu et partant de là, les choses voilà. Se passeront. Oui, c'est surtout... après, on l'a vu, des fois, on se fait prendre en contre, mais avoir du jeu, avoir de la dynamisme, avoir des occasions de but, et c'est ça qui est très important, même si on tombe sur une équipe qui est très solide défensivement et qui est très forte à l'extérieur. Mais comment on est capable, effectivement, de progresser à chaque rencontre, quoi. Voilà, c'est ce qui m'inquiète, moi. C'est ce qui me soucie, surtout. Voilà. C'était votre thématique de réflexion. Encore une fois, on en a parlé un peu avant l'émission. Le public répond présent aujourd'hui. Il y a du monde. Voir les supporters concernés impliqués, bon, ça aussi, ça doit être un motif de satisfaction. Oui, c'est un gros motif de satisfaction. Parce que si on n'a pas une identité, si dans un club, tu n'as pas d'identité forte et que tu ne séduis pas le public... Alors les mecs, ils viennent pas. Les gens, ils sont pas bêtes, ils sont pas cons. S'ils doivent s'emmerder et pas venir parce que ça les intéresse en aucunement, si les gens viennent au stade, c'est que quelque part, ils ont envie de voir à la fois du spectacle et à la fois aussi, bien sûr, on le sait, le Français, il veut avoir son équipe gagner. Mais comment tu produis quand même des émotions vis-à-vis du public, quoi. C'est ça qui est important. Alors des émotions, il a dû en avoir pas mal. Mohamed Benfredj, il est rentré en fin de match. Et coaching encore plus que gagnant, puisque c'est lui qui marque. Vous lui avez donné des consignes en particulier ou pareil, il a suivi le plan global et c'est ça qui a fonctionné? Non, ce qui est important, non, les consignes en particulier, c'est surtout comment on travaille toute l'année. Comment on est capable de travailler. Et Mohamed Benfredj est un très gros buteur. Donc on a voulu mettre deux attaquants en fin de match. Et lui, il est très à l'aise quand il y a deux attaquants. Donc, et comme c'est un très très bon buteur, avec un deuxième attaquant qui fixe la défense, lui, il peut se libérer et claquer des buts. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Bon, on espère voir un max de buts claqués aujourd'hui. Alors, pour nous, en l'occurrence, hein, clairement. Donc, on vous souhaite un bon match et puis une bonne soirée. Merci, coach. Bonne soirée à vous. Merci. Coup d'envoi de ce match à 19h. On le vit ensemble dans l'AJ Avant-Match. Votre rendez-vous d'avant-match où on vous donne toutes les clés pour apprécier cette rencontre et cette 32e journée de la meilleure des manières. On parlait il y a quelques instants du match précédent à Bastia. On va justement revoir le but de Mohamed Benfredj avant de parler aussi du programme du week-end. Thank you.
Le but de Mohamed Benfredge, et on espère en voir beaucoup, des buts marqués ce soir par la GIA. On aura bien sûr besoin de vous pour soutenir votre équipe. Ce soir, nous nous intéresserons aussi aux autres rencontres, hein, les adversaires autant que la nôtre. Les bien sûr, les équipes du top 5, c'est ça qui nous intéresse. Le classement, vous allez le voir dans quelques instants, mais n'oubliez pas qu'on va parler de plein de choses ce soir. Et aussi, pensez bien que nous vous avons laissé des drapeaux sur les sièges. On fera un essai tout à l'heure, mais on à l'entrée sur le terrain des joueurs. Donc juste avant l'entrée, on testera votre capacité à les bouger dans tous les sens. Ce sera tout à l'heure pour accueillir les joueurs aussi à l'entrée sur le terrain au coup d'envoi de ce match. On revient donc au classement et au match qui nous intéresse ce soir. Le classement, vous allez le voir, c'est très serré. Toulouse, qui l'a emporté cet après-midi face à Guingamp, 4-2, est toujours bien en place en tête du classement. Mais derrière, les quatre équipes suivantes sont au coude à coude. 4 points séparent l'AC Ajaccio, 2e, et Sochaux, 5e. Et voici donc les rencontres sur lesquelles il faudra garder un œil. Et voici également la liste des matchs. Voilà, c'est un petit cadeau, désolé. Voici la liste des matchs qu'il y aura aujourd'hui, et notamment ceux sur lesquels il faudra garder un œil. C'est l'AC Ajaccio qui reçoit Pau, Sochaux qui reçoit Nancy, et le Paris FC qui affrontera Dijon lundi. Waouh, ça va être compliqué. Passons maintenant à la formation du week-end et tous les matchs du week-end qui nous intéressent. À 17h, la JAB se déplace sur le terrain du RC Lens B. Ce dimanche, on vous rappelle d'être bien présent sur l'annexe 1 pour les U19, la 23e journée à 15h. Donc demain, la JA qui reçoit Pontarlier. Notre équipe féminine, la JA Stade, se déplace ce dimanche à Vesoul. Le Vesoul FC donc qui reçoit la JA Stade. Une belle rencontre à 15h. Et puis nos U17 qui affrontaient l'AS Nancy-Lorraine sur l'annexe 2. Et donc on vous donnera le résultat durant cette émission. Savoir ce qu'il se passe sur le terrain, anticiper ce qu'il se passe sur le terrain, ce n'est plus aujourd'hui qu'un simple échange qu'on va avoir pour le sport. Il existe toute une activité qui a explosé depuis plus de 15 ans en France et qui s'appelle les paris sportifs. Des sites, des applications, beaucoup permettent de s'adonner à cette activité qui a ses risques et ses problèmes. Et c'est pour parler d'un problème que nous sommes ici aujourd'hui. Ce problème, c'est le harcèlement qui est apparu sur les réseaux. Harcèlement que subissent les sportifs professionnels. Pourquoi ? Parce que des parieurs vont directement s'adresser à eux, pas sur un ton très courtois pour utiliser un euphémisme. Et pour protéger les acteurs du football français, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, la Ligue de football professionnel s'est associée à l'Autorité nationale des jeux afin de sensibiliser les amateurs de football et de paris sportifs pour qu'ils placent les valeurs du sport au cœur de leur passion. Une sensibilisation qui passe notamment par cette vidéo. Les joueurs entrent sur le terrain très concentrés. Ils saluent les supporters. Allez, le coup d'envoi est donné. Prono 80, va-t-il pouvoir valider son pari ? Il tire ! Non ! Dommage, la cote était boostée. Bet 14 était vraiment à un cheveu du combiné. Superbe reprise de volée ! But à la dernière seconde ! Oh là là ! Des parieurs se déchaînent déjà contre le goal sur les réseaux sociaux ! Quand tu paries, n'oublie pas qu'il y a un humain derrière le maillot. Hashtag parier sans clasher. On compte sur vous pour suivre les conseils de cette campagne de sensibilisation. On revient sur un autre événement. Alors en 2019, c'était lors de la rencontre Agia Orléans. Groupama avait mis en avant le monde agricole. Et après la pandémie de Covid-19, eh bien notre partenaire de longue date a choisi de mettre à l'honneur les soignants en offrant cette fois 2500 places aux personnes travaillant dans les hôpitaux, dans les cliniques, les sapeurs-pompiers ou encore les ambulanciers. On les avait applaudis lors du confinement à 20h. On va faire la même dans quelques instants pour saluer leur travail. On remercie Groupama, on remercie Jacques Blanchot, le directeur des établissements Groupama de Lyon et de Seine-et-Marne, pour cette initiative. Et on salue le directeur général de Groupama Paris-Val-de-Loire qui est à mes côtés, Laurent Bouchon, bonjour. Bonjour. Et on revient avec vous sur cette opération Groupama qui met à l'honneur le personnel médical. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et comment est née cette envie de leur rendre hommage ?
Bah écoutez, je crois qu'il ne faut pas simplement remercier les soignants quand il y a des crises de Covid comme on a eu. J'espère qu'on arrive à la fin. Mais les soignants, c'est du 24-7. Donc ils nous aident tout le temps. Donc il faut savoir leur dire, écoutez, on est heureux d'être avec vous, on est heureux de vous faire plaisir. On compte sur vous parce qu'on sait qu'on peut compter sur vous tout le temps et toute l'année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien d'ailleurs qui vous unit au personnel soignant? Je parle du Groupama bien sûr. Eh bien, écoutez, Groupama c'est une assurance, donc on est là pour apporter de la sérénité, on est là pour faire de la prévention, on est là pour accompagner les gens y compris en matière de maladie, mais ceux qui soignent la maladie derrière, ce sont les soignants. Donc nous on a le côté financier, les soignants ont le côté médical, on se complète. Et on va les applaudir dans quelques instants. Vous êtes un sponsor historique, enfin, vous, Groupama en l'occurrence, vous le Laurent bientôt, je n'en doute pas. Quel est votre regard sur cette saison, Groupama? Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette belle saison qu'on vit et qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Alors Groupama est très content de cette saison. La JA, là, c'est là maintenant on arrive dans la fin, hein, c'est le money time. Il y a quelques matchs, il y a 7 matchs, il faudrait en gagner 5. Il est possible de rentrer directement en qualification. Et si on est deuxième, je pense que la première place c'est peut-être un peu cuit. Toulouse a encore gagné cet après-midi, mais tout est possible. Donc nous on est à fond supporters de la JA, on l'a toujours été, on va continuer à les accompagner. 7 matchs, il faut en gagner 5, tout est jouable, on est avec vous. Ça c'est parfait. Vous m'entendez dans le stade, même chez vous. Groupama a invité les soignants. Est-ce qu'on peut vous demander d'applaudir les soignants qui sont présents ce soir et tous les soignants qui ont participé à nous accompagner, à nous soutenir? Allez, on peut faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour eux. Allez, encore, 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 encore. On peut agiter les drapeaux, allez-y. On continue de vous accompagner dans la JA avant match. Laurent Bouchon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée, bon match. Bon match à vous également. La JA avant match qui continue pour vous présenter encore plein de belles choses. On va vous montrer aussi, alors on va peut-être le voir, il y a différentes banderoles un peu partout. On a des propositions de vote, vous le verrez dans le stade si vous en avez envie. Voilà, donc ça me paraît être un bon candidat effectivement. Je pense que vous pouvez suivre ce conseil. Autre conseil que l'on vous donne cette fois, c'est si vous êtes au stade, si vous êtes chez vous, ce sera un peu plus tard, la boutique de la JOCR qui se met en mode sprint final pour les 4 dernières rencontres au stade Abbé Deschamps. La boutique AJA va vous gâter les jours de match, moins 30% sur toute la boutique, hors maillot extérieur et promotion en cours. Bien sûr, c'est les jours de match, donc il faudra profiter des derniers matchs à domicile pour pouvoir venir au stade et profiter de cette belle promotion. À la mi-temps, on vous donne également rendez-vous pour le dernier quart de finale du challenge Décathlon entre Chevannes et Auxerre Sport Citoyen. Faites un maximum de bruit pour les encourager, hein, pour qu'on puisse se retrouver avec eux et qu'ils passent un moment exceptionnel. On vous enjoint également à prendre vos places pour les prochains matchs, pour être là pour aller à la boutique, mais aussi pour agir à Dijon. On aura besoin de vous, plutôt que de vous le dire d'ailleurs. On a besoin de vous, on va vous le montrer avec cette vidéo.
On compte sur vous pour soutenir votre équipe. Et d'ailleurs, on va faire un test. Il y a des drapeaux partout dans le stade. Est-ce que vous pouvez prendre tout de suite vos drapeaux et les agiter pour nous montrer ce que ça va donner? Allez, on agite les drapeaux, on agite les drapeaux. Allez, c'est pas mal, tout le monde agite ses drapeaux. Parfait, les joueurs sur le terrain sont déjà contents et ils le seront encore plus quand vous le ferez tout à l'heure pour leur rentrée. C'est l'échauffement, on compte sur vous pour soutenir votre équipe en direct du stade Abbé Deschamps. On est avec vous et on en profite donc pour faire la fête tous ensemble. On vous rappelle donc aussi à la mi-temps le dernier quart de finale du challenge Décathlon entre Chevannes et Auxerre Sport Citoyen. Soyez présents. Un petit message également pour rendre un hommage. Nous souhaitons tout le club de la JOCR rendre hommage à Philippe Dupont, membre du conseil d'administration de l'association AGIA. Nos pensées vont à son épouse, ses deux enfants et ses quatre petits-enfants. C'est le moment de passer à la composition des équipes de la rencontre. Pour Valenciennes, numéro 30, Lucas Chevalier. Numéro 14, Geoffrey Cuffaut. Numéro 24, Alan Linguet. Numéro 25, Emmanuel Ntim. Numéro 26, Mathieu Debuchet. Numéro 28, Quentin Lecoche. Numéro 6, Julien Masson. Numéro 21, Mohamed Kaba. Numéro 9, Gaëtan Robaille. Numéro 12, Hugo Bonnet. Numéro 18, Baptiste Guillaume. Sur le banc des remplaçants, numéro 16, Hillel Konaté. Numéro 3, Ali Abeid. Numéro 11, Laurent Dos Santos. Numéro 8, Noah Diliberto. Numéro 17, Aymen Boutoutaou. Numéro 22, Sambou Yatabaré. Numéro 7, Floyd Ayité. Et pour entraîner cette équipe, Christophe Delmotte. Et maintenant, la composition de la JOCR. Numéro 16, Donovan Léon. Numéro 2, Karl-Heinz Arcus. Numéro 4, Jubal Junior. Numéro 5, Théo Pelna. Numéro 20, Alexandre Koef. Numéro 7, Gauthier Hein. Numéro 12, Birama Touré. Numéro 22, Hamza Saki. Numéro 29, Mathias Autrette. Numéro 10, Gaëtan Perrin. Numéro 25, Lassine Sinayoko. Encore plus de bruit pour les remplaçants et vous pouvez agiter les drapeaux également. Pour le numéro 40, Théo Depersin. Numéro 15, Alec Georgen. Numéro 26, Paul Joly. Numéro 6, Ali Endom. Numéro 27, Alexis Trouillet. Numéro 14, Mohamed Benfredj. Numéro 21, Rémi Dujimon. Et pour entraîner cette équipe, on finit par une belle salve d'applaudissements pour le coach Jean-Marc Furlan. Coup d'envoi de ce match à 19h. Soyez bien prêts pour agiter vos drapeaux et pour faire un maximum de bruit. AGIA Valenciennes, c'est ce soir au stade Abbé Deschamps.